Salut tout le monde, c'est Bella 93, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, à Resident Evil 3, partie 17. La dernière fois, Chaos nous a sauvés avec un vaccin, maintenant on va y aller. Alors, bien dormi? Tu m'as sauvé la vie. Moi j'ai fait que dalle. Bon, merci Carlos, t'as porté jusqu'ici et t'as soigné. Ce mec est dingue. Où est-ce qu'il est? Parti au sous-sol. Bardi a stocké le vaccin, il y a peut-être encore un espoir pour la ville. Il croit quand même pas y arriver tout seul. Je vais aller le rejoindre. Attends, t'as pas vu à la télé? Ils vont rayer la ville de la carte. J'essaie de contacter quelqu'un, n'importe qui, en mesure d'arrêter ça. Laisse-le faire son job. C'est un pro. Moi aussi. Je crois que j'arriverai pas à te dissuader. L'entrepôt se trouve sous nos pieds, en dessous de cet hôpital. J'ai perdu contact avec Carlos. Attends-toi au pire. Oh, ça va. Ouais. Vas-y, ouais. Tu t'en fous de moi? C'est bien. Ah, j'ai rien dit. Ah là. Ah, mais où est ce terrain, moi? Je dis moi, mais je sais pas où est ce terrain, moi. Attends, y'a un camion. Qu'est-ce que c'est? Ah bon? Ah, c'est ce qui... Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Ah, et ce terrain est où? On va chercher, hein. On a sa affaire à chercher, alors, comme d'habitude. Je viens de là. Mais quoi là-bas? Là? J'en sais rien. Hein. Je sais pas. Je crois que c'est le bon chemin. Ouais, c'est le bon chemin. Comment faire? Alors, on a trouvé le bon chemin. Oh, c'est fou. Dégage de là, toi. Alors, on va dans la cour et chercher ce truc-là. J'espère qu'il n'y a pas ces monstres de l'autre jour. Il n'y a rien du tout ici, c'est ça. De toute façon, on va voir ce qu'il y a. Hein. J'ai eu la trousse de ma vie. On savait quoi en sort de là. Mais j'ai pas qu'un truc intéressant là. Et j'ai... On s'en va. On s'en fout de ce qu'il y a, d'accord. On s'en fout. Attends, on va voir ce qu'il y a. Je sais qu'il y a beaucoup de canards. Ça, je sais. Mais il y a énormément de canards. C'est pas avec. Et pourquoi ils donnent des missions de Magnum? J'ai pas le mode de Magnum, moi. J'ai pas ça. Je suis désolée, mais j'ai pas ça. Allez, on va voir. On va tuer ce monstre. BD. On va voir. Hein. Oh, c'est pratique, ça. Nata! Oh, on danse, on danse. Là, c'est quoi? Là, je viens... Oh, bon, c'est pas grave. Je viens de sauver la boue.
Désolé, mon écouteur commence à partir, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ah, on va monter par là. On va aller quoi dans la caisse? C'est un truc intéressant. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de trucs. Mais vraiment de beaucoup de trucs, hein. Dégage de là toi. Là, on écoute. Attendez, mon écouteur se barre. C'est super. Ah bah la cour. En fait, il y a un canard ici. Ouais, il y a quoi dedans? Ça m'intéresse beaucoup. Ah d'accord, en fait, c'est... Bah, je suis contente. Je suis contente parce que... Attends. Là, faut que je fasse le tour. Je fasse le tour. C'est juste nous. Je sais pas en fait. Quoi la blanderie? Ah. Attends. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans la buanderie? Ah mais j'ai pas de position de madame moi. J'ai pas de madame. Si je vais là, je vais pas là-bas. Faut j'aille là. En fait, ils disent qu'il y a un truc, mais c'est quoi le truc? On peut explorer avec Jill. De toute façon, bah, je sais pas. Je vois pas de truc intéressant. C'est bizarre quand même. Hein. On va passer par là. Ah, je sais pas. Explosif. Quoi? Comment ça? J'ai vu aucun explosif là. Attends, c'est quoi ce délire? Comment ça, un explosif? T'es sûr? Je n'en veux aucun là. C'est vers là. Attends. Non. C'est vers le fond. Comme ça. Attends, j'ai peur. Merde. Ah! Comment tu trouves ça, moi? C'est marrant, Ah, je peux pas. Ah, oh, merde. Mais comment ça, un truc de madnum? J'ai pas un truc de madnum, moi. Attends, ça me sert à rien. Ça me sert à rien du tout, ça. On va jeter. Ouais. Bon, on peut pas combiner avec ça, c'est trop cool. Eh, merde. Qu'est-ce qu'on peut combiner? Rien. Il y a la chambre des secrets. La chambre sur la face. Poudre. Ah putain. Ouais, c'est pas grave. En plus j'ai pas de... On va c'est quoi? On va aller voir Carlos.
Ouais. Ça dit pas si mal. Encore un canne. C'est quoi ça? En fait, je suis pas perdu. On va juste voir ce qu'on peut récupérer avec Gilles, notre héroïne depuis tout début de la série. En fait, j'avais peur qu'en fait, qu'on reprenne le gif, que j'avais peur que les monstres revivaient, tu vois. On a croisé un monstre. Oh, franchement, c'est pas terrible, ben, c'est pas... C'est ça, mais il y a vrai qu'on se croisait, tu vas voir. Non, vous savez quoi, on va dans la cour. Parce que ce qui paraît, une boîte. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est les feuilles qui tombent, qui tremblent. J'ai peur de ça, quoi. Bon bah... Je viens de là. C'est pas grave. Oh, c'est bien. Vous allez m'engueuler dessus, de toute façon j'ai plus de place là. J'ai plus de place. Je viens de là. Mais en fait, je sais pas, je peux récupérer où le coffre. Je vois pas de porte d'entrée, je vois pas. Ça, c'est pas une à côté. Parce qu'en fait, ce coffre il m'intéresse pour voir quoi dedans. Mais si je fais comment pour y aller, je sais pas. Oh, c'est pas grave. C'est un truc intéressant, mais de toute façon, je suis plus là, je dois quand même éliminer un truc, alors que franchement, j'ai pas envie d'éliminer. Ouais. Mais c'est pas grave. Hop là. On est où? C'est pas des trucs. Oh, c'est rouge. C'est peut-être des trucs. Pourquoi tu dis que c'est rouge qu'il y a rien? Ah, si. Oh, des munitions. Mais je vois pas où je vais, moi, c'est ça le problème. Quoi? T'es passé où, toi? Oh non, pas cet ascenseur! C'est ça? Ouais. Enfin, je me rappelle, vous savez, il y avait gros monstre là qui venait nous charger là. En attendant que l'ascenseur descendait. Pour ressentir 8-2. Oh, c'était horrible. Attendez. Alors, waouh. Comment ça se fait que personne à l'hôpital n'ait remarqué tout ça? T'as qu'à poser leurs questions. Hein. Ouais, c'est des aveugles. Ils sont aveugles. Bon, attends, on va chercher là. Et comment ça se fait qu'il y a un camion là? Et je peux pas. Je peux pas. Ah, c'est con. Ah, je peux pas. De toute façon, j'ai du soin, mais je peux utiliser ça pour mettre un peu de là. Ça n'a aucun sens. C'est un tunnel. Hein. Oh, tunnel. On va sauvegarder comme ça là. Ah bah la poudre supérieure ça sert à rien.
J'en avais deux, mais je veux pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Note relative à l'ascenseur. À tous les employés, nous avons constaté que l'utilisation simultanée de plusieurs machines lourdes depuis la salle de contrôle provoque une surcharge au niveau de l'alimentation principale et fait sauter les fusibles. Si vous rencontrez ce problème, était dans l'incapacité d'activer l'ascenseur, pas de panique, prenez les fusibles de générateurs secondaires situés dans l'entrepôt et utilisez-les pour rétablir l'alimentation principale au plus vite. Monsieur Coche. Youhou! J'ai pas de trophée parce que j'ai fait un truc maximal. Oh mon dieu. On va quand même prendre la poudre. On sait jamais si on rencontre pas à côté une poudre noire pareil. Au cas où. Au cas où. Ah. Où je suis. C'est qui? Oh non, pas lui là. Ah, c'est un enfoiré. Le premier. Mais pourquoi tu veux que je creuse? Ah, cool. Ouais, je suis content de ça. Vous savez, c'est lui qui m'a voté dans l'ascenseur, là. Enfin, pas dans l'ascenseur. Vous m'avez compris, quoi. Dans le train. C'est un enfoiré. Il y a un truc, là. Ah, c'est ça. Ah, génial! Je vois la foule. Ta ténacité force le respect. Mais j'ai bien peur que la partie s'achève ici. Tu penses que c'est fini? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? T'es qui, toi? Que toi. C'est quoi ça? Attends, il y a un truc bizarre. Voilà. Ah. Ah moi c'est bien cette fio. Ouais, mais je sais comment moi pour passer par là. Je peux pas grimper là? Ah. D'accord. Bon, ça ne fait pas peur. Ça peut passer. On peut les tuer au fusible. Qu'est-ce qui se passe? Là, faut que je me tue, quoi. Ce qu'on peut faire... Ça, c'est mon fusil à pompe, ça. Ouais, génial. Pour l'instant, c'est pas sorti. Oh! T'es qui, toi? Vas-y, là, là. C'est quoi? On va prendre. Venez voir mes jolis! Jolis, jolis, jolis! Venez, 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 venez! Ah mince, elle est brûlée! Ah, vous m'aidez? Ah, pour m'aider, c'est gentil. Ah mince, il va pas m'aider. Hein. Là, c'est ça. Dégage de là, toi. Voilà.
Ah merci. Je pense que ça sert à quoi en vérité, fusil d'assaut. Ah j'ai été quand même. Ah je suis bien. Ah je suis bien. Ils donnent beaucoup de munitions là, de pistolets. C'est horrible. Bon là c'est mort. Je dois aller par là. Encore ? Mais il fait exprès lui hein. Reste pas vivant, d'accord? Un cul-de-sac? Non, peut-être pas. Ah. Quelqu'un va me donner, quelqu'un me tire à la main. Non, c'est bon. Voilà, c'est un cul-de-sac. Là, je dois monter les escaliers, j'imagine. Non, même pas, parce qu'il y a un truc en haut. En fait, on vient de là. C'est quoi ce délire là? Pourquoi toujours avec Ménard toi? Il joue avec Ménard ce mec là. Attends, tout à l'heure toi. Alors, ouais. Mais je suis pas où je vais hein. Alors, pas du tout. Alors, pas du tout. Hein. Attends, je viens de là. Il y a un truc, c'est quoi ça? Ah, c'est pour récupérer ça. Attends. Là. Je te jure, c'est horrible. Mais pourquoi tu... En fait, je suis venue là pour rien, quoi. Bon, non, pas pour rien, parce que je savais pas qu'il y avait ça. On va dire ton mieux, quoi. On va dire tant mieux. On va dire tant mieux. Ah là. Il y a un truc ici, non? Je viens de là. T'es qui toi? Ah, ça fait longtemps. Enfin, bah, c'est pas fait mort. Oh non, pas eux! Vous savez quoi? Fusil d'assaut! Voilà. Dans ta face! Ouais. Mais où je vais? Tant de dingue! Là, c'est où ça? Attends. Bah, je sais pas où je vais, quoi. Je sais pas où je vais. Là, j'ai pas été là, c'est ça? Attends, j'ai peur de toi. Oh non, pas toi! En fait, je crois que c'était les autres. Ah non, ce sont là, non, pitié, non, non, s'il te plaît, non. Ah merde. Qu'est-ce que je peux enlever? J'en sais rien. Ça, j'en ai besoin. Fusée d'assaut. C'est quoi, fusée d'assaut? J'ai pas fusée d'assaut, moi. Enfin, j'en sais rien, j'en sais rien. Attends, je peux combiner. Ah, tu fais ma gueule. Tant pis. C'était le plus important. Ouais, 2 sur 3. Heureusement, je suis venue par là. Heureusement. Imagine, je pouvais pas. Imagine, je peux pas passer par là. Ça t'est dégoûté, quoi. Parce qu'en fait, il me manquerait un fusible. Ouais.
Je suis contente. Au moins je sauvegarde. En fait, j'arrête pas de les jeter quoi. Peut-être mettre dans le coffre. Mais je pouvais pas savoir. Levé de mon charge, levé de mon charge. Donc, bon, ça va, je suis ok. Mais c'est quoi ces conneries là? Comment ça se fait? Je peux passer par là, mais pas avant. Il doit y avoir un truc, c'est pas possible. Bon, ça, je comprends pas. Levé de mon charge. Fusible. Il y a aussi fusible de main là. Il y a aussi fusible. Attends. J'ai trouvé dernier fusible. J'ai trouvé. Mais je vois pas où il est. Il y a aussi fusible. En fait, si tu veux, en fait, je vais essayer sur la carte. Parce que c'est bizarre quand même. Yo, c'est fusible. Bon, celui-là, je l'ai récupéré. On est d'accord. Là. Oh, putain, yo, c'est fusible. On descend par là. Je vois pas où il est, c'est le problème. Faut que je cherche. Yo, ce fusible. Attends. Est-ce qu'il est pas là en sauvegarde? Je vais voir. On va tout essayer. Bon, là, c'est. On a passé comme ça. Mais c'est sûr qu'il est quelque part. Mais où, j'en sais rien. Ah, là, je reviens vraiment en arrière, quoi. Là, on prend les escaliers. Peut-être qu'il est là, hein. Qui sait? Bureau. Ah, j'en sais rien. Là, on était ici. On était ici. Et il n'y est pas. Ah, je l'ai trouvé quand même. Bon. Pas sauvegarde. En fait, si je vais là-bas, ça va me dire où je vais. Attends, si on va là. Ça va me dire quoi? Allez, ça n'a rien à voir, ça veut dire que c'est dans le truc. Bon, merde. Mais où ça, j'en sais rien. Ça me saoule. Tu peux pas les mettre directement? Ça veut déjà les deux. C'est déjà pas mal comme ça. Arrête. Il en manque un. Il est où ce dernier? Bah, en fait, je vois comme une porte. Attends, on va zoomer. Mais je vois pas de porte, tu vois. Ah, il y a une. Attends. En fait, je vois qu'il y a une échelle. Ouais, j'ai vu une échelle. C'est-à-dire qu'il y a une échelle quelque part, mais j'ai pas vu.
ça va, c'est... En fait, c'est comme un puzzle. En fait, il faut aussi de la carte, quoi. Pour retrouver le truc. Quand je verrai une échelle, là, je saurai où c'était. On va essayer de passer par là. On peut pas. Ah, très bien. Alors, où tu es? Papa, papa. Papa, papa. C'est ton papa. Il va te retrouver. Ta maman. Quelque part quand même. Il va peu. C'est vrai. On va faire comme ça. On va prendre ça. Il est super long. Là, j'ai l'impression que c'est vers là. Ah, je me trompe encore, quoi. C'est pas possible. Un truc de dingue. Ah, il y a une échelle. Ici, c'était là le fusil. Ouais, il est là. Putain. Ouais, je sens vraiment ce qui va arriver là. C'est trop bizarre que... Oh, ils sont beaucoup. Ouais, c'est énorme. Bon, vas-y. Ah, super. Et voilà, ça y est. Ouais. Ouais, c'est... Ah, c'est démonté, hein. On va passer à quoi ici? Il y a quoi ici? C'est un truc intéressant peut-être. Non. Non, j'ai pas besoin, je suis ok. Pas vraiment pour trouver le chemin. C'est parti. Allez, vas-y. Ah, oh, je sens pire. Je sens... Mais à chaque fois, pourquoi tu es toujours en premier plan comme ça? Ah, c'est là-haut. Comme ça. Ah, c'est moi, j'ai trouvé. Je te parie qu'on va affronter l'autre mec. Mais je crois qu'il va se transformer. Je sais pas pourquoi je le sens, mais... Ah, t'es dégueulasse. Merde. Ah, il a mon cœur. Désolé.
Je suis désolée. Voilà. J'avais pas le choix. Est-ce que je suis en danger? Attention. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est des bestioles, ça. Je n'aime pas ces bestioles. C'est horrible. Voilà. Bye bye. Au revoir. Alors, où je suis? Merde, il s'est barré. Je savais. Mais qu'est-ce qu'il faisait ici? J'en sais rien, moi. Est-ce que tu me poses pas de questions? Alors, ça n'a rien du tout. Pourquoi il reste? Pourquoi il est là? Alors, je viens d'où, moi? Je sais pas, je viens d'où. Je vois pas du tout d'où je viens. Je vois. Oh, bon. Quoi, c'est connerie, hein. Mais tu veux, je pars. Putain, y'a un truc qui cloche. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai pas de magnum. Tu viens ton magnum là? Attends. Putain, j'ai pas de magnum. Mais là, elle m'a vu qu'on pas de magnum là. Ah, je fais quoi là? Ah, y a un truc. Rapport d'activité inachevé. 26 septembre. 1300. Infiltration de RC. Incendie. Un incident sporadique. Début de la mission. 930. 5 agents du RPD. Tire sur un groupe de 20 individus agents tués au bout de 20 minutes. 27 septembre, 1200. Test conduit à l'université. Envoi d'un groupe dont Canidé vers les campus. 64% d'infection et de conversion en 2 heures. Aucun survivant. 2300. Rendez-vous établi avec le peloton de MV. Première tentative prévue à l'aube. 28 septembre. 0430. J'ai entraîné le groupe vers le poste de commande. Résultat, affrontement de nuit en zone confinée avec un grand nombre de combattants, voire vidéo. 0800. Fin de l'affrontement, 7 survivants. 1800. Armes biologiques individus déployées au point D18. Je la suis conformément en ordre. Elle semble traquer une proie. 2000. J'ai repéré deux stars, un homme infecté et une femme. L'arme biologique poursuit la femme. 29 septembre. 0. 000. La femme JV a rencontré le peloton de MV. L'apparition et le comportement de l'arme biologique font penser au projet N. J'enquête. 0400. J'ai vu l'arme biologique utiliser des armes conventionnelles. Elles sont déterminées à éliminer JV et connaître le plan de la ville. Une preuve qu'elle peut être programmée. 0700. Détamorphose de l'arme biologique déclenchée par un combat avec JV, voire vidéo. JV est infectée et inconsciente. J'ai prélevé des échantillons conformément aux ordres. Attends. Ah. 30 septembre, 0030. Plus de 17 heures se sont écoulées depuis le JV a été exposé au virus. La transformation est lente, ce qui en suppose qu'elle résiste. 0400. Le vaccin récupéré et administré à JV par CO, un soldat de peloton de MV. JV devait peut-être être
prête à combattre dans une vingtaine d'heures. Il a semblé évident que l'arme biologique de celle du port de N, chaque contact avec JV, l'a fait évoluer. Je vais provoquer d'autres rencontres pour obtenir des données plus précises. Voilà. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est Marco, c'est ta. C'est qui? Jill. Oh, c'est toi. Tyrell. J'ai réussi. Ils veulent bien négocier. Oh, yes. Oh. Ah, tu t'es fait mordre? Ils annuleront la frappe, si. Et c'est un putain de si. On arrive à leur livrer le vaccin avant le lancement. T'es sérieux? On a combien de temps? Quelques heures, au plus. Ok, alors y a pas une seconde à perdre. Moi. Le vaccin devrait être par là. Ah bah. Pourquoi elle marche? Mais cours! T'es sûr que tu veux pas rester là? Pourquoi faire? Je viens avec toi. D'accord. Alors on continue. Ah. Y'a un truc qui me fait coller. Y'a personne, non? Oh! Oh non, pas... Oh non, pas toi, pitié! Oh non, c'est pas vrai. Oh non, pas lui, pitié, pas lui. Allez, oh, pas lui. Accroche-toi, on y est presque. Oh non. Oh oh. Oh, tu déconnes. Oh non. Mais tu me lâcheras jamais l'affaire, toi. Quelqu'un peut m'aider, s'il te plaît? Quelqu'un peut nous aider? Ah! Personne ne va nous aider. Obtenir le vaccin. Ah, et comment? Près du danger. Ouais? Tu dois quoi parler après du danger? Ah, ça va un truc, c'est ça? C'est pas possible, ça. Mais c'est abusé! Mais what? C'est, franchement, mais c'est quoi ce monde? Pourquoi tu jamais me lâcher l'affaire, toi? C'est horrible. Non, mais franchement, il va jamais me laisser la drape, hein. Un truc en rapport. Règlement d'intérieur du Nest 2. À tous les employés du Nest 2, les objectifs de ce centre de recherche sur le virus T différents de ceux du centre Nest principal d'Umbrella. Ici, nous nous concentrons sur les cas d'utilisation en situation réelle découlant de la création et de l'introduction des nouvelles armes biologiques. Ce qui inclut la nécessité de vaccins contre le virus T. Ou encore le développement des nouvelles armes capables d'éliminer les armes biologiques. Certains aspects de notre travail ici comportent des risques et est donc préactif de tous les employés respectent scrupuleusement le règlement intérieur, la présence de visiteurs non autorisés ou encore retrait des données internes ou de matériel seront sanctionnés par des mesures disciplinaires sévères. C'est un grand honneur de faire partie du meilleur organisme de recherche au monde. Gardez ceci à esprit et suivez les règles afin que nous puissions continuer à donner naissance à de nouvelles technologies révolutionnaires. Toute sérénité. Ah. Sérieux? Poudre supérieure, où ça,
Attends. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je sais pas. Hein. Bon, on est prêt. Ah, je sais pas. Après, je peux pas éliminer un poisson. Ça. Où je suis. Je sais, franchement, je sais même pas où on est. C'est de ma gueule, toi. Oh, j'en ai derrière, j'avais pas vu. Ah, c'est con. Ah, je crois que je suis en danger. Hein. En plus, j'ai peu de trucs de fusil. On a trouvé un. C'est quoi ça? Journal d'Axac grave. La paix était honnête, était bonne, et les avantages aussi. Plus important encore, il m'avait promis que je pourrais contribuer au développement de la technologie médicale de pointe. Pour un prof d'université coincé dans un trou paumé, c'était une aubaine en or. Mais j'ai accepté. J'en ai parlé à ma famille et nous avons déménagé ici à Raccoon City. Maintenant, je me dis que j'aurais peut-être mieux de faire de rester chez moi. Ce labo est un repère de monstres menant des expériences barbares dans le seul but de tuer les êtres humains de manière les plus atroces qui soient. C'est un enfer. Il faut que le monde le sache. Mais à chaque fois que je songe à sonner l'alarme, je pense à Penny et à Cassé. Et je me dis que ce serait certainement pas une bonne idée. Umbrella contrôle cette ville. Je me souviens de ce type qui nous prit en train d'essayer de divulguer des informations confidentielles sur la boîte. Il a carrément donné en pâture au Beta, et j'ai vu toute sa scène. Je ne peux pas risquer la vie de ma femme et de ma fille. Il faut juste que je fasse mon boulot, que je fasse ce que l'on me dit pour elle. Mais je veux que ceci soit une preuve que j'ai conscience et que m'a servi de leçon. Ouais. Ah, génial. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais j'ai pas de place. Ah bon? Je peux jeter? Ah, je savais pas. Hein. J'avais pas vu le truc. Ouais. Il faut du fusil à pompe là. Je peux pas rester comme ça sans fusil à pompe. Hein. C'est pas possible. C'est ce qu'on va faire. Et encore un petit mot. Article sur la synthèse des vaccins. Oh, le rôle des antigènes et des divulgants adjuvants
dans le système des vaccins. Docteur Nathalie Bard, chercheur en chef à l'hôpital Memorial Spencer. Pour synthétiser un vaccin de façon optimale, deux éléments sont indispensables, l'antigène et l'adjuvant. L'antigène produit une réponse immunitaire dont les effets sont amplifiés par adjuvant, ce qui mène à une production accrue d'anticorps. En combinant ces deux éléments, il est possible de créer une base de vaccins efficace. En traitant cette base de vaccins avec nos équipements propriétaires, une grande quantité de vaccins peut être créée avec une facilité déconcertante. De plus, mes derniers échantillons antigènes et d'adjuvants comptent des taux de production anticorps exceptionnels avec un rendement 1000 fois supérieur à ce qui peut être obtenu avec les méthodes traditionnelles. Ceci en fait non seulement un vaccin efficace, mais également un moyen potentiel d'éliminer les infections résistantes. Oh. Ah, la punaise. Clé de déverrouillage générée avec succès. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, je crains pire. Clé de déverrouillage retirée. Quoi? Je crois avec une clé, moi. Ah, je peux pas. Ah, si tu veux. Si tu veux aussi. Ah, d'accord. Pour démarrer la synthèse du vaccin, placez les substances dans le compartiment. Synthèse? Je dois faire ça moi-même? Bon, va falloir trouver comment. Ouais, mais... Attends, on va quand même sauvegarder, comme ça on sait on est où. Je sais pas quoi. Mince, je sais plus comment faire pour sauvegarder. Attends. Ah, c'était là peut-être. Ah bah non. Ouais, mais c'est où déjà pour sauvegarder? Ah, c'est peut-être trouvé. Oups, c'était là. Moi, je reste en haut pour rien. Bon. On s'en fout d'eux. Il y a pas de truc en bas. Non, je vois rien du tout. Attends. Est-ce que c'est ça? Demande d'autorisation d'armement. Cher docteur Emerson, je voudrais demander officiellement que les armes normalement réservées à l'équipe de synthèse des armes biologiques soient mises à la disposition de tout employé interagissant avec la mission et le renvoi de cobayes. Bien que ces cobayes ne présentent pas le même niveau de danger que nos armes biologiques, je pense que cette autorisation d'armement est souhaitable. Récemment, certains cobayes ont développé une nouvelle mutation
en conférant des capacités de régénération très élevées. Notre équipe appelle ces spécimens Pale Head. On en voit régulièrement, mais la cause de leur apparition n'a pas encore été déterminée. La vitesse à laquelle ces Pale Heads se régénèrent en telle qu'il est difficile d'en venir à bout à l'aide d'armes conventionnelles. Si quelconque défaillance du système venait à se produire dans nos installations, nous ne serons pas en mesure de nous défendre. C'est pourquoi j'aimerais demander à ce que des armes de grande puissance capables de maintenir les palhers soient fournies à tous nos employés, travaillant dans les positions et le traitement. En cas d'urgence, nous pourrons ainsi éliminer rapidement la menace et évacuer en toute sécurité. Merci à bien vouloir considérer cette demande. Gabriel Rad, responsable des pédition et traitement. Wow. Et ça apparaît là-bas. Ouais. Échantillon d'antigène. On va avoir besoin pour le vaccin. Ah. Il est pas content parce que j'ai piqué son truc. Ah, pas. Ah! C'est quoi ça? Dégage de là, pauvre type! Ah, il court vite! J'ai la chance de poule! Ah! Allez, va papa! Moi, je... Ouais, c'est bon. Je vois ça, je vais aller où? Ouais, c'est bizarre quand même. Peut-être trompé. Ah, j'en sais rien. C'est bizarre quand même. C'est louche. Oh, j'aime pas chercher comme ça. Bon, attends, on va sauvegarder pour dire qu'on a récupéré le truc. Comme ça, on va pas chercher de nouveau. C'est un peu trop loin. Voilà. Est-ce qu'on a encore la clé? Non, on n'a plus la clé. Énorme. Ouais, ça me fait pas grand chose d'intéressant quoi.